Et puis c'est parti! C'est parti, on continue! La montée incroyable! D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo YouTube d'aujourd'hui, mais j'ai annoncé du coup ma participation à la Z-LAN de Zerator. J'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc voilà, si jamais vous avez pas suivi. Tous les jours, je vais faire des lives sur ma chaîne perso d'entraînement, un petit peu sur tous les jeux à partir de 18h. Donc voilà, par exemple, on va commencer à partir de ce soir. À partir de 18h, c'est un petit peu tous les jeux de Zerator. Élémentaire murmurant. Ça m'a l'air un peu lent. Non, remarque, si je le baisse avec ça, ça peut être vraiment chouette. Ok, vas-y, vas-y. Avec qui? Avec un pote à moi qui s'appelle Kawaii. Kawaii, Kawaii. Voilà. Volcano, intéressant. Hunter, c'est le premier que je croise. C'est le premier Hunter que je croise avec ce deck. Je sais pas si c'est un bon match-up ou pas. Pardon, désolé, petit mouchement. Mais sérieux là, j'ai zéro élémentaire? Du top deck, il y a vraiment deux trucs qui sont pas des élèves là. C'est pas une très bonne nouvelle ça. Non, je vais faire ça. Ah, c'est terrible hein. Je suis là, le meilleur tour 1. C'est pas fou pour moi. Hein. Oh le bâtard. Ah putain, je vais être content d'avoir le volcan pour le coup. Putain, il me fait la sortie de Jésus là. Qu'est-ce que c'est cette sortie de ouf? C'est chaud les potos. C'est très très chaud. Oh la vache, il va le buffer à fond. Et avoir le deuxième. Oh mon dieu. Ah, bah il a pas envoyé le deuxième dedans. C'est une erreur ça je pense. Enfin je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans la main mais ça m'a l'air bizarre quand même. Il veut pas avoir ça plus qu'il commet quand même. Arrête! Mais t'es sérieux? Mais tu fais la meilleure sortie possible! Non, c'est chaud les bro. C'est chaud les bro. J'arrive plus à m'exprimer, j'en perds mes mots. Putain, je suis à 10 HP tour 4 quoi. Bah oui, bah maintenant vas-y, tout droit, hein, si tu veux faire. Très très bon ça. Attends, j'ai même pas besoin de faire ça. Je veux juste faire ça. Et il sera à 7. Ah, je le fais, je le fais. Le règne de Kalibos approche. 2, 3, 4. Si je joue ça, il a pas l'étal sur juste lâcher les chiens en plus. Et moi, ça me permet peut-être des trades. Faut juste que je survive ce tour. Si je survive ce tour, je peux faire des trucs. Il a 7 dégâts sur lâcher les chiens. Oh! On survit! Oh, ça fait du bien! Oh, Kraigasm! Yes! Yes, les gars, on va battre sa sortie de Jésus là! What? Putain, eh, c'est chaud hein. C'est chaud, je sais pas si c'est un bon match-up ou pas. Là, j'arrive pas à juger sur cette game parce que bon. C'est comme si moi, par exemple, j'affrontais une classe qui était un mauvais match-up pour moi et que je lui faisais ma sortie d'anniversaire. Bah en fait, forcément, je vais le battre, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est un bon match-up, tu vois. Et inversement, là, dans cette situation-là, tu vois. Oh, il prend sa patate à 7. Bien fait pour toi, ça. Allez, ça me donne Kalibos, ça, normalement. Ça, normalement, si mais vous piochez un sort de votre deck coûtant 5 cristaux ou plus. Ah bah, ah. Bah jokes on you, j'en ai pas. Super ça. Ça fait plaisir ça dit donc. Allez donne-moi Kalimos. Ce sera en nul. C'est ça du coup. J'imagine. Ça c'est une 3-4, ça c'est une 3-3, c'est plutôt ça. Hein. J'avais que Volcan qui coûtait 5 ou plus. C'est vraiment un très mauvais élémentaire ça. C'est un Yeti pour moins 1. C'est un tour 4, 3, 4. C'est genre l'équivalent d'un tour 3. Oh non, 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 non. Ah non, 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 non. Not like this. Oh boy. Ça peut puer ça. Plus 3 d'attaque. Pas face. Bah pas face. Trade des trucs. Mais trade des trucs, sois pas chiant.
Qu'est-ce que tu fais là? Oh nice, ça c'est bien ça. Oh ça c'est le feu ça. Ah ça par contre les gars, ça c'est de la carte que français françaises nous attendions. C'est là hein. Je suis obligé de tuer. On va le battre. On va vraiment le battre. Paco Pacottini. Oh, Paco Pacottini, j'ai vu ça. J'ai perdu à 3-4 pour rien. Pourquoi? Tu veux le faire comment toi le trade? Dis-moi comment toi tu voulais le faire. Ok. Pourquoi t'as pas mandé braser ce Reno? J'ai voulu développer le temps en tout cas où il avait lâché kill quand même. Ça donne de l'armure, c'est ça? Donc il faut que je trade lui, c'est sûr. Ensuite, je fais ça là-dedans. Je vais hero power, je pense. Heal. Heal, cool. Et là, j'ai 4-7 si je le tape 7 là. Qu'est-ce que ça accomplit si je le tape 7? Il est à 15. Et moi, j'ai 6, 10, 13. Peut-être c'est double face là. Est-ce que sur lâcher, j'ai peur d'un truc? Lâcher kill command, ça accomplit quoi? 3, 6, 7. Il a déjà joué un kill command. Ah, je vais setup létal. Plus la game dure, moins j'ai de chance de gagner parce qu'il a des bêtes assez solides là-dedans. Ça aurait été bien d'avoir le taunt ici. Le heal était bien. Le heal et le taunt étaient les deux meilleurs. Mais le heal est archi cool. Ok, faut pas qu'il ait une bête de ouf. Faut pas qu'il ait une bête de ouf, les gars. C'est vraiment le meilleur moment ça. Quand t'attends, ton adversaire est en train de choisir. Le premier, il a choisi super vite. Donc c'est que c'est un bon truc en principe. Putain, il a châté le bouclier divin, sérieux? Fuck. Du coup, j'ai plus l'étal. En vrai, je traite juste ça au safe, hein. J'ai gagné quasiment quoi qu'il arrive, donc je vais trade là. Il peut plus s'empêcher du létal là, il suffit que ça survive et j'ai létal. C'est peut-être le passage top 40 là, ou top 30 merde. Salut Kikusa, ça va ou quoi? Salut, salut à tous ceux qui nous rejoignent les potos. Oh, provocation. Ok. T'es mort là. Hein. Yes! Bam! Let's go! Top 40. Top 39, mesdames et messieurs. Top 39, c'est parti.